1955, ils retournent à Maurice. Ils rejoignent Jules Kenick au Parti mauricien. Et en mars 1959, il fait sa première élection. Il perdit contre un monsieur qui s'appelle Romriki Ramsamy. Mais, là, nous bon nous prendre une comparaison entre ça à l'époque-là et maintenant. Ils ont contesté l'élection Romriki Ramsamy, qui finit donc tenir en mars 1959. Quand contesté l'élection, le peuple prend son temps, comme il prend maintenant. À l'époque, nous sommes hier. Quand contesté l'élection, jugement tombe en faveur de Gaëtan Duval, et 10 mois après seulement, peut faire élection de remplacement. Donc, mars 1959, élection, mettre pétition, contester élection. Janvier 1960, élection partielle, Gaëtan Duval élu, Romriki Ramsamy perdu. Intéressant de voir qu'aujourd'hui, soi-disant, il y a l'Internet, il y a le computer, il y a tout ça là, tout ça réforme une faire, nouveau courthouse, nous mettons pétition, à là maintenant près de 1 an, pétition pas encore même discutée dans la cour. Ce n'est pas une contre-pétition qui peut discuter. Pétition pas encore même discutée. Et si nous allons comme ça, capable, nous allons gagner un jugement 3 mois avant l'élection générale. Qui manière, quelque part, quand nous guettons l'histoire, nous trouvons qu'il peut souvent reculer et peut aller de l'avant. Avec 10 moyens, en 10 mois, fini mettre pétition, débattre pétition, gagner un jugement, gagner l'élection tout. C'est ça aussi qui nous fait un appel à la justice mauricienne, qui se donne une responsabilité vis-à-vis des Mauriciens, vis-à-vis de la démocratie. Nous trouvons un mouvement de rue, une bonne raison, c'est que tout affaire peut décaler, incluant la justice.